Ouais, donc on va mettre la caméra au-dessus de l'estabule. T'as qu'à le mettre à l'entrée là. Vas-y, lève. Vas-y, encore. Vas-y, encore. Vas-y, c'est bon. Bouge pas. Ouais, ça doit être bon là, tu peux me descendre. Oh, va doucement. Merci. Donc c'est bon là, tu peux y aller si tu veux. Oh, salut Guigui. Salut, ça va? Ça piloche, je viens chercher le bazar. Ah d'accord, ok. Allez, on va aller voir ça. Mais dis-moi, tu fais quoi là? Bah là, je pose les caméras parce que j'en ai marre de me faire de voler du gasoil. Je me suis fait voler plus de 1000 litres en quelques semaines. Donc là, j'ai décidé de mettre des caméras pour surveiller quoi. Non, si possible ici. Ah ouais, tout est possible. Ah si, il y en a marre de survoler du gasoil là. Donc on va la serre si tu veux, on va voir ça. Allez, ça marche, je te suis. Allez, viens alors. Je vais te montrer mon petit endroit. Donc sinon, comment tu l'as trouvé la dernière fois? Oh, bien. Ok. Un peu fumant quand même. Hein. Ah, ça c'est ma petite recette personnelle. Bon voilà, ça pousse. Waouh. Magnifique, hein. Ah oui, franchement, alors là, je suis... Ah ouais, une bonne petite serre, un bon endroit là, bien caché. Ouais, bien caché, ouais. Et t'as une caméra dans le quartier, là, autour de tout j'ai mis des caméras partout. Oh. Il y en a quelques-unes que j'ai installées, puis à certains endroits. Ouais, mais je t'ai vu monter ça en bas, là, dans ta ferme, mais là, j'ai pas vu grand-chose autour de ta serre, t'as pas peur, là? Si, mais il y a des pièges plus importants autour de la serre. Ah, d'accord. Un peu moins légal, on va dire. D'accord, ok. Donc voilà, tiens. Voilà. Oh. Donc tu me diras des nouvelles. Donc c'est tout ce qu'il te fallait? Ah, pour l'instant, au pire. C'est la bonne, je te rappelle. Si tu me rappelles, il n'y a pas de soucis. Ça marche. Allez. Salut, ça va? Ouais, nickel, et toi? Bien, nickel. Eh, dis-moi, tu pourras venir faucher mes 3 hectares qui restent? Ouais, mais quand? Quand tu peux, de toute façon, prévois de la main-d'œuvre puisque du matériel, parce que moi, je suis en manque de main-d'œuvre en ce moment, donc j'ai pas trop le temps. D'accord, je te fais ça, il faut que je te fais ça aujourd'hui, parce que moi, après, je me casse, hein. Nous, on va dans le nord, après. On va le mettre dans le nord. Tu fais comme tu veux. Ouais, on va faire ça tout de suite, alors, tant pis, on voulait faire autre chose. Mais on va faire ça alors. D'accord, ok. Ça marche. Donc c'est pour ça que je t'ai venu. Ok, ça marche. Allez, salut. Salut. Cédric, t'es là? Ouais. Ah, t'es là. Eh, dis-moi, tu peux envoyer le camion avec la benne? Ils en ont besoin. Ok, ça va. Parce qu'on va stocker le blé dans les camions. Ça va être plus simple. Okay. Ça sert à rien d'aller le livrer. En plus, si on reste tard, s'il y a un peu d'humidité, ils vont pas vouloir le prendre. Ouais, sinon, t'envoies le casse-croûte avec toi. Ça va. Les clés, ils sont au pare-soleil. Ouais, nickel, vas-y. Ok, ça va. Allô? Oui, salut, c'est Matt, de la ferme Ovine. Ça va bien depuis tout à l'heure?
Ouais, ouais, ça va, ça va. Je t'appelle parce que là, je suis en route là pour venir à ton entreprise. Là, je suis devant le magasin là. Ah d'accord. Mais je parlais de toi tout à l'heure justement à ma femme. Je pensais que t'allais pas venir. Tu sais où sont les porcheries ou pas? Non, c'est ce que j'allais te demander. Bah, toi, tu. Là, je suis devant l'entreprise là, donc. Ouais, bah, une fois que t'es passé devant l'entreprise, tu continues sur 60 mètres. Et normalement, t'as une entrée à gauche, si je te dis pas de conneries, un petit chemin en terre, et puis voilà, tu y arrives. Ouais, je vois le chemin là, ouais, ça doit être là. Bah, ok, ouais, je vais plus tarder arriver. Ok, ça marche, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, ça se passe bien? Impeccable, chef. Oh, super. La machine marche bien? Ça va. Bon, t'auras fini la parcelle pour ce soir ou quoi? Oh, je sais pas, j'en ai pour un moment là. Ouais. Essaye quand même de finir la parcelle là, histoire que après on attache le matos et puis terminé quoi. Ouais, hein? Y a pas de soucis, je fais au plus vite s'il y a le casse-croûte. Hein. Ouais, bah normalement il est dans le camion. Tu regardes, j'ai dit à Cédréac de le mettre dans le camion. Par contre, il faudra peut-être aller le passer à Cam tout à l'heure quand tu passes avec le camion, quand il sera plein. T'essayes de lui passer à Cam si tu le vois, il est de l'autre côté du champ dans la case. Ah, ok, pas de soucis, ça marche. Ok, moi j'ai un rendez-vous, après je repasse. J'essaierai peut-être de vous remplacer. Je sais pas si tu dois partir ou comme tu veux. Ou bien tu vois avec Cam, vous voyez ça par CB, j'en remplace un. Et par contre, les autres ils font les heures sup quoi. D'accord, ça marche. Ça dérange pas. Et par contre, celui qui part, tu expliques qu'il commencera plus tôt demain parce qu'il doit partir en camion. Ok. Ok, sur la gag, des abos ils doivent partir donc il a de la route le mec. Ah oui, j'imagine. Ouais. Donc vous faites ça, vous vous organisez, puis vous me dites tout à l'heure qui part. Ça marche? Ok. Ouais. Bon, allez, à tout à l'heure. J'y retourne. Bon, ça y est, je suis là. Donc voilà, t'as fait un petit peu le tour ou quoi? Ouais, bah vite fait là. Ok. Bon, je sais pas trop m'avancer non plus, on sait jamais. Non, bah voilà les bâtiments. Donc comme tu peux le voir, il y a une route qui se trouve ici, là où on est. J'aimerais en fait qu'elle reste mitoyenne en fait. Tout simplement parce que déjà rien que pour moi ça va m'arranger. Ouais. Puisque j'ai besoin de passer avec le matériel et faire demi-tour. Donc en échange, nous on fait attention à la route et on entretient la route. Ouais, pas de problème. Et toi en fait tu auras besoin de passer chez moi, donc je vais te montrer vite fait, on va marcher un petit peu. Tout simplement pour pouvoir, pour les gars en fait qui viennent, qui vont venir chercher tes cochons pour les abattre, ils ont besoin de passer dans ma cour. Donc vaut mieux que ça reste mitoyen, on se fait un petit arrangement comme ça et puis ça pose pas de problème. Donc en fait il faut passer par le portail qui a été posé là-bas. Ok, ouais. Ouais, donc en fait, tes camions seront obligés de passer par là. Donc, moi, ça ne me pose aucun problème que les camions passent par là. J'aurai juste que penser à fermer le portail de temps en temps. Donc, voilà. Donc, on va rentrer un petit peu à l'intérieur là. J'espère que je te montre un petit peu. Donc, j'ai fait laver les bâtiments. Comme oui, ça, c'est propre. Seras... Ouais. Ouais, ouais, non, parce qu'en fait, il y avait eu des mauvaises herbes et tout ça. J'ai mis mes gars à nettoyer un petit peu tout à l'heure. Donc, voilà. C'est un beau bâtiment parce que quand tu regardes les panneaux translucides là, c'est vraiment génial. C'est un gain en énergie, un truc incroyable. T'as pas besoin de lumière. Ouais, parce que là. Ouais. Il y a juste le spot là et un spot là-bas, je crois. Ah bah non, il fonctionne plus le spot là-bas, il faudra changer un peu. Ouais, bon, on changera ça. C'est pas un problème ça. C'est pas le plus cher, on va dire. C'est pas le plus cher, hein, c'est clair. Voilà. Donc là, il est nickel. Hein. C'est vrai que là, ouais. Pour le coup. On rentre combien de cochons à peu près dedans là? Là, je pense que tu peux en mettre 150, 150-200. Ah ouais. Ouais, oh, y a quand même pas mal de place. Ouais, je suis sûr. Ouais. Ah, et là, le robinet d'eau, là, il y a l'eau au bout, ou comment ça se passe? Alors, en fait, tout est branché. Alors, c'est assez compliqué, je sais pas comment on va s'arranger, mais en fait, tout est branché sur une pompe, en fait. Il y a un forage. Ouais, donc, pire, quand tu regardes, moi je paye pas l'eau pour le forage, toi tu payes pas l'eau, il y a juste un petit peu d'électricité à payer. Ouais, petite participation vite fait. Ouais, voilà, donc ça t'arrange aussi. Ouais, faut pas qu'on ait une prise de bec parce que sinon c'est sûr que là ça va être chaud entre la route et la flotte. Hein. Ça va être compliqué, ouais. Ça va être compliqué, ouais, tout à fait.
Donc voilà, hein, tout, je leur ai demandé un petit peu de balayer. Bon, bah, ils ont balayé ça assez vite, hein. Il reste un peu de paille là, mais ils m'ont dit que la paille était propre, alors voilà. Attends pour que voilà, ça soit voilà, nickel. Voilà, ici, t'as ton stock de patates, tout ça. T'as les bâtiments ici qui vont avec. Les deux là, les deux silos là. Tu trouves ce que tu veux dedans. Et ouais, bah ouais, pour stocker, c'est pas mal. Ouais, c'est ouais, ouais, c'est ici, ouais. Ça, c'est grand, ils sont. Voilà, bâtiment Tiambou, c'est déjà le principal. Oh bah, heureusement. Voilà. Oh. La citerne a été changée juste avant qu'on achète les bâtiments. Donc pour la flotte, ah ouais, 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 c'est vraiment une citerne. C'est top ça. Pas de risque de fuite. Non, voilà, ouais. Bon, c'est pas que l'eau est chère, mais bon. Ouais, l'eau est gratuite. Donc voilà. Nickel. Ah bah, ok. Nickel. Voilà. Je vais voir ça avec mon comptable, moi, et puis. Ouais. Nous, bon, normalement, ça doit le faire. Hein. Ouais, ben. Je pense qu'on va faire ça. Quoi. Nous, pour te donner un prix, quand même, pour que tu puisses donner à ton comptable, 475 000 euros. Après, on peut encore négocier, hein, il suffit de discuter, mais voilà, 475 000 euros, on pensait avoir pour ça. Pour tout le terrain et tout qui va avec. Ouais, bon, c'est, ouais, ça me semble raisonnable, vu l'état du bâtiment. Ouais. Alors on s'est mis à peu près sur le marché à peu près, c'est à peu près ça le prix donc. Bon moi faut que je voie ça après, ouais. Compte avec les cochons, bon, faut que je voie, bon ça doit être faisable parce que on avait une enveloppe de 600 000 donc. Ah ouais d'accord, bon bah, je, ça, par contre ça si tu veux, si tu veux je demanderai à un de mes gars de passer un coup de débroussailleuse au bord là pour que ce soit un peu plus propre. Et... Ça, ouais, histoire que bien. Voilà que tout se passe bien, tout soit propre, tout soit nickel. Ouais, pas de problème. Bon, écoute, moi j'ai une moisson à réaliser, je suis obligé de te laisser. Je te dis à la prochaine. David. Ouais. Par contre, moi je vais vider. T'as déjà mangé toi? Non, pas encore. Le casa est dans le camion. Et par contre, tu fais rapidos pour le camion parce que le boss il veut que je finisse la parcelle là. Ouais, ok, ok. De toute façon, le boss il va arriver là normalement, non? Salut! Salut, boss! Bon, vous avez décidé au fait qui de partir et je le remplace? Ben, c'est Cam. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, je vais remplacer Cam. C'est lui qui partira avec la machine demain. Ok, ok, ça va. Bon. Par contre, moi je vais vider là. Tu vas vider non, tu vas pas vider. Non. Non, non, tu. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on les stocke les bennes, donc tu prends la deuxième benne. Ouais, ok, ok. Ouais, tu prends la deuxième benne et puis voilà. Heureusement que je suis passé, okay. Hein, sinon t'allais vider quoi. Ouais, ouais. Ah, parce qu'il faut pas vider parce que là le taux d'humidité il a augmenté et ils vont nous faire chier pour pas un sou. En plus, le gars, je l'ai pas appelé. Donc, Non, non, tu la détaches et tu prends une autre benne. Okay. Ok, ça va. Je vais remplacer Cam, alors il est dans notre champ là-bas? Ouais. Ça marche. Ok. Ouais, bon courage les gars, tout à l'heure. T'as encore plus longtemps ici ou quoi? J'attends qu'il ramène la benne là, puis je pense que ouais, d'ici une heure ou deux, c'est bon, c'est terminé. Ouais, d'accord. Ce sera à 5h30, 6h du matin, ouais, ça va. Ok, ça marche.